أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين fidèles téléspectatrices fidèles téléspectateurs de DBS Télévision et DBS Télévision officielle vous êtes la bienvenue dans cet autre rendez-vous de 58 minutes de la voix de l'islam votre rendez-vous de rappel de prédication d'enseignement mais également d'exhortation à l'islam mesdames et messieurs vous êtes nos invités ou bien vous êtes nos téléspectateurs privilégiés et parce que vous l'êtes nous vous invitons de vous installer confortablement et nous revenons après cette transition. Mais que le temps passe vite, c'est ainsi que nous nous exclamons incessamment quand nous nous rappelons d'un rendez-vous manqué, quand nous nous rappelons, n'est-ce pas, d'une activité que nous n'avons pas effectuée, ou alors quand nous rencontrons une personne, un ami ou une connaissance de longue date. En fait, le temps est le socle de la vie, c'est au centre de la vie, c'est au centre de toutes les actions de la vie humaine. Allah l'a créé avant la création des êtres humains et il nous a exhortés, n'est-ce pas, à comprendre mais également à prendre soin du temps, notamment dans le Coran, la sourate 103, sourate Al-Asr. Mesdames et messieurs, la gestion du temps, parce que le temps nous oblige également de nous arrêter pour essayer de réfléchir à ce sujet. Nous voyons des dépravations des mœurs, nous voyons, n'est-ce pas, des insouciances par rapport à certaines activités, nous voyons également la montée en puissance de l'oisiveté. Mais il est important ou alors importantissime de réfléchir, mais également de redéfinir les décisions ou bien les actions à cet effet. Moi particulièrement qui vous présente cette émission, je suis la première personne concernée quant à la gestion du temps qui sera, n'est-ce pas, le contenu de notre émission que nous allons gérer aujourd'hui avec notre invité que vous connaissez déjà. Il s'agit bien sûr de Imam Issa Aboubakar Gourine, bien sûr, je me rattrape. C'est, n'est-ce pas, le promoteur du centre de formation en informatique Break Horizon, qui est par ailleurs imam et enseignant islamique ici, dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Mesdames et messieurs, avant de vous présenter également la deuxième personne qui sera sur ce plateau pour nous parler du plus de cette rencontre, nous vous invitons, n'est-ce pas, à savourer ces quelques versets qui nous sont proposés par le frère Awal, qui nous propose, bien sûr, les trois versets de la sourate Al-Asr. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-Asr. إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nous avons savouré ces quelques versets, n'est-ce pas, de la sourate Al-Asr, dont la traduction est comme suit, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Bien sûr, c'est cette sourate de trois versets qui font, n'est-ce pas, la généralité ou bien la globalité du contenu ou bien du socle de la vie. Alors, je vous ai dit que nous serons sur ce plateau avec Imam Aboubakar Issa Gourine qui nous parlera de cette thématique. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous disons assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou et merci à vous, merci à la télévision GBS et surtout à l'émission La Voix de l'Islam. La Voix de l'Islam.
C'est nous qui vous remercions, Imam, n'est-ce pas, de répondre toujours présent à nos exhortations. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la gestion du temps. Qu'est-ce que cette thématique vous rendez-vous déjà comme information? Bon, déjà, la gestion du temps, vous avez dit que c'est général, c'est global. Et afin de répondre, comme l'a dit Imam Shafi à propos du verset de la sourate Al-Asr qui a été lu, l'imam Shafi a dit si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas révélé une sourate, excepté ces sourates, ceci aurait suffi. Donc c'est une sourate qui est pleine d'enseignements, qui est pleine de développement, qui est pleine de richesses. Et sincèrement, le temps, tout ce qui nous arrive, c'est quelque part parce que nous avons su bien gérer le temps ou bien parce que nous avons négligé le temps. Et de là, nous comprenons que le temps est un couteau à double tranchant. Donc, soit nous l'utilisons comme il se doit, soit nous le négligeons et là, il y aura des répercussions. Mashallah. Et vous avez essayé, n'est-ce pas, de présenter une manière introductive de cela, mais quelle est exactement la place du temps dans la vie de l'homme? La place du temps, le temps, c'est le socle même de la vie, c'est-à-dire le temps est d'une importance capitale pour l'homme. Le temps, concernant le temps, sincèrement, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie, donc même l'islam nous interpelle par rapport à ce temps. Et tout au long de notre émission, nous allons développer certains aspects pour que nous puissions comprendre que ce temps doit être géré correctement. Et qui dit gestion, dit les différents outils, les différentes techniques qu'on doit utiliser pour avoir un résultat positif relatif à ce temps-là. Donc le temps est d'une grande importance, sincèrement. Inch'Allah, comme vous avez dit, c'est un couteau à double tranchant. Il y a ceux qui l'utilisent à bon escient et il y a ceux qui l'utilisent à mauvais escient. Mais puisqu'on a choisi cette thématique, c'est beaucoup plus pour cette personne qui utilise à mauvais escient pour essayer, n'est-ce pas, de redéfinir les bases, mais également pour ces personnes qui utilisent à bon escient qui pourraient, n'est-ce pas, avoir des astuces supplémentaires pour essayer de manager de plus en plus d'une manière merveilleuse. Alors, si on doit parler aujourd'hui du temps, on voudrait demander aujourd'hui quelle est votre observation sur la gestion du temps aujourd'hui dans la société? Bon, dans la société réellement, surtout dans notre communauté, je dirais ici, à travers mes différentes observations, le temps n'est pas bien géré, le temps est négligé, d'où l'oisivité que nous voyons. On préfère s'asseoir, chauffer le banc comme on le dit. Le planning, ça ne nous concerne pas tellement. Nous, les parents, en tout cas, le temps n'est pas bien géré. Voilà pourquoi dans la société, nous avons autant de dérives, nous avons autant de choses qui ne marchent pas bien, nous avons autant de regrets, si je savais, si j'avais le temps, justement parce que ce temps n'est pas bien géré. Et tenez-vous bien, nous n'avons pas plus de 24 heures. Dans notre quota de temps, chaque personne a 24 heures. Soit vous l'utilisez correctement, soit à la fin, vous allez finir avec des regrets. Donc c'est toujours comme ça et nous entendons ces regrets-là chaque jour. Et selon vous, quelles seraient les potentielles causes? C'est d'abord une ignorance et puis une insouciance quelque part. On s'est dit que bon, c'est comme ça, on s'en va, on fait comme tout le monde. Et d'ailleurs, personne ne s'interpelle pour se poser des bonnes questions. Et d'autres aussi, c'est par ignorance, parce qu'ils n'ont pas des informations, parce qu'ils ne savent pas qu'il faut gérer ces temps, parce que quelque part, ils n'ont pas été aussi coachés correctement. Donc, je pense que nous n'allons pas aussi rester en arrière. Regardez ces temps et regardez ces personnes et dit que bon voilà, si vous ne gérez pas bien le temps, vous allez regretter, ça ne nous concerne pas. Déjà, je tenais même à vous tirer un bon coup de chapeau et dire que le travail que vous faites est déjà merveilleux, c'est bien. Il faut sensibiliser ces gens. Nous parlons de la masse dans la société, dans la communauté, leur faire comprendre que le temps est un élément essentiel de notre vie. Et qu'il doit être bien géré. Il doit être bien géré parce que le temps que nous avons sur terre est tellement court. Et de là, nous sommes appelés à faire des réalisations. Et nous sommes appelés aujourd'hui à éduquer ceux qui sont proches de nous. Ça peut être notre femme, notre épouse, ça peut être nos enfants, pour que de leur côté aussi, ils puissent gérer le temps correctement. Et d'ailleurs, dans le verset Al-Asr,
Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer l'importance du temps. Vous allez trouver dans plusieurs versets au sourate, Allah jure par le temps, lui qui est le créateur du temps, mais il jure par le temps. Et ici, nos spécialistes nous disent que lorsque le créateur jure par la créature, c'est pour nous montrer l'importance de cette créature-là. Ce n'est pas parce que cette créature est au-dessus de lui, non. C'est pour attirer notre attention et nous dire, faites attention, gérez cette affaire correctement. Jetez un coup d'œil un peu sur ce que je viens de mentionner. Donc Allah a dit, wal asr. Et dans d'autres versets, il a dit, wal fajr, wal layal, nash. Autant de versets qui sont là, qui nous interpellent sur le temps, et autant de hadiths aussi qui nous interpellent sur le temps. Donc, nous devons déjà commencer à sensibiliser les gens, à leur faire comprendre l'importance du temps. Et si c'est des personnes qui croient aussi, qui ont une foi bien assise, ces gens-là vont comprendre que leur religion n'est pas restée aussi en arrière. Leur religion les interpelle, leur religion les demande de gérer correctement le temps. Leur religion les interdit plutôt l'oisivité. Leur religion voudrait qu'ils soient des personnes sérieuses. Leur religion voudrait qu'ils soient des personnes qui, au finish, en laissant ces bas mondes, vont laisser quand même un héritage. Alors, le fait de laisser l'héritage ici, si vous ne gérez pas correctement le temps, comment est-ce que vous allez laisser l'héritage? L'héritage, ce n'est pas seulement matériel. Ça peut être spirituel, ça peut être une éducation. Si vous ne restez pas avec vos enfants, constamment vous êtes dehors avec des amis, vous rentrez tard, vous ne savez pas ce qui se passe à la maison parce que vous avez voulu faire comme tout le monde. Et quand on veut faire comme tout le monde, sachez qu'on est en erreur. Parce que suivre la masse, c'est aussi une erreur. Vous verrez, ceux qui sont constamment soit avec la vérité, qui sont constamment dans le côté positif, c'est, le nombre est vraiment infini. Voilà pourquoi Allah dit « Kale le minibadi shakur » et ceux qui me remercient sont vraiment peu. Donc, je pense ici le travail que vous commencez à faire déjà bien et qu'il faudrait multiplier cela, que ce soit à travers des séminaires ou bien à travers déjà ce que vous faites. Et, mais retenons que le temps est d'une importance capitale dans notre vie, dans notre religion. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait même pas juré à travers ces temps-là. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de l'importance du temps dans la religion. Est-ce qu'il y a des points spécifiques ou bien des points particuliers sur lesquels Allah attire l'attention de ses créatures au sujet du temps? Est-ce qu'il y a des points spécifiques, par exemple, le temps de la prière, le temps, est-ce que le temps n'est que lié à la religion ou bien également pour, n'est-ce pas, la vie en la société? Le temps, en tant qu'humain, en tant que créature d'Allah, tout ce que j'entreprends, je commence d'abord par le côté religieux, avant de voir le côté mondain, avant de voir ma vie sociale. Vous verrez ici, comme vous l'avez déjà mentionné, le temps de la prière est bien spécifié. Donc, il y a un temps à la prière. Il y a un temps pour le jeûne du mois de Ramadan. Il y a un temps pour faire sortir sa zakat. Vous n'allez pas vous lever un bon matin et dire que bon, voilà, je vais commencer mon Ramadan maintenant. Non. Ceci nous montre l'organisation de la chose. Le Créateur lui-même est organisé. Et vous aussi, en tant que créature, vous devez être, vous êtes appelé à être organisé. Et la gestion du temps ici nous ramène d'abord dans l'adoration. La première des choses dans l'adoration. Et ensuite, si vous maîtrisez le volet adoration, vous avez autant de choses qui viennent. Vous avez des amis qui vont vous aider à gérer correctement votre temps. Vous avez ici, c'est-à-dire essayer de voir, de créer, d'avoir des repères, de voir comment est-ce que nos salafs, comment est-ce que nos prédécesseurs géraient les temps. C'est incroyable ce que vous allez découvrir quand si vous ouvrez des ouvrages comme Sir Al-Alam Nubala, hein, pour voir comment est-ce que ces salafs géraient leur temps. Mais c'est incroyable. Hein. C'était des gens qui étaient constamment avec des bonnes personnes. Donc, dans la gestion du temps, nous avons le côté religieux qui est là, pour qu'on sache comment est-ce que nous allons adorer Allah, et pour qu'on sache qu'il ne faut pas être quelque part paresseux dans l'adoration, et ramener ce qu'on peut faire actuellement à demain, ça c'est une maladie, savoir avec qui marcher, parce que tant que ces volets ne sont pas bien respectés, au finish, on tombe dans l'oisivité. Et ce n'est pas ce que l'islam voudrait de nous. L'islam voudrait que nous soyons des personnes productives dans la société, que nous soyons productifs dans le monde religieux, que nous soyons productifs dans notre adoration. Alors, ici,
Vous avez 24, comme je l'ai dit. J'ai 24, tout le monde a 24. Personne n'a au-delà de 24. Si vous ne gérez pas ces quotas de 24 qu'Allah vous a octroyé, qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Donc, cette thématique, sincèrement, elle est à prendre en considération. Elle est tellement sérieuse. Et nous devons, coûte que coûte, faire l'effort. Puisque le changement, ce n'est pas facile de changer. Hein? Une personne qui passe son temps à bazarder son temps. Hein? Non. C'est pas du tout facile. Donc ici, il faudrait vraiment être conscient, prendre une décision et dire, bon, je vais essayer de changer. C'est graduellement, petit à petit. Sinon, c'est un peu compliqué. Mais le temps englobe notre aspect social, notre aspect religieux et presque tout dans notre vie. Inch'Allah. Mais, Oustaz, pour vous revenir, peut-être, il y a des personnes qui, entre guillemets, perdent leur temps sans savoir qu'elles perdent leur temps. Parce qu'il y a des personnes qui, n'est-ce pas, se donnent à la responsabilité de plusieurs activités à la fois. Vous voyez, vous êtes ici, vous êtes là, vous êtes ça. Et finalement, vous ne produisez rien. Et parfois, ces personnes ne se rendent pas compte. Et par malheur, entre guillemets, je dirais que ça comme ça, note pas une personne qui est à côté d'elle pour les rappeler que non, ici, tu es en train de te dérouter ou bien tu es en train de tourner, de patiner sur place. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là qui seraient, entre guillemets, dans cette position aujourd'hui et qui nous regardent? Oui, au début, je vous ai dit qu'il y a un problème d'ignorance. Il y a un problème d'ignorance. Et de là, nous pouvons trouver une excuse à ces personnes. Bon, après cette émission, ou bien si on entre en contact avec ces personnes, est-ce qu'on peut leur trouver des excuses? On dit non. Parce qu'il faut continuer à les sensibiliser. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de vouloir résoudre plusieurs tâches, ça c'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. De un, ça va vous freiner. De deux, vous serez stressé à la fin. Et le véritable problème ici, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle idaratul awlawiyat, c'est-à-dire la gestion de priorité. Voilà encore un autre aspect qui est lié au temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est de prendre le plus important. Commencez toujours par le plus important. Ensuite, le moins important. Et ainsi de suite, on descend. Alors, sûrement, après quelques semaines, après quelques mois, vous allez déjà trouver toutes les différentes tâches concrétisées. Bon. Ici, le problème, ce n'est pas seulement le temps. C'est la gestion des priorités qui rentre dans la gestion du temps aussi. Et ce que nous pouvons dire à ces personnes, c'est de ne pas s'embrouiller, parce que c'est de l'embrouille. C'est de ne pas s'embrouiller, et de commencer par le plus important, de ne pas ramener ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui à demain, parce que nous avons cette maladie. Puisque, qu'est-ce qui se passe si, au début, vous n'arrivez pas à faire cette priorité-là? Ce qui est sûr, vous allez dire non, je prends un peu du repos, demain je vais continuer. Vous vous êtes embrouillé et vous êtes entré dans la procrastination, c'est ça? Oui, procrastination. Okay. Vous êtes donc entré dans ça. Bon, ce qui est sûr, en fin de compte, vous allez tomber dans le stress. Inch'Allah. Et nous avons également sur ce plateau une sœur qui est étudiante, il faut le dire comme ça, et qui est par ailleurs responsable d'une association, la Cameroon Muslim Student Union. Mais avant de venir à cet effet, parce qu'on vous l'a dit lors de l'annonce, qu'il y a le plus qui consiste à parler de la direction des affaires féminines de la CAMSU, mais puisqu'on parle aujourd'hui de la gestion du temps et que ces personnes aussi sont importantes, vous êtes responsable à la maison, vous êtes responsable dans vos études, vous êtes responsable, n'est-ce pas, dans vos associations. Comment est-ce que vous parvenez à joindre les deux bouts? Alhamdulillah, parlant de la gestion du temps, certes, c'est un volet assez complexe, mais la CAMSU nous a vraiment ouvert les yeux pour pouvoir gérer ce temps-là. À travers des activités, elles nous ont facilité. Cette association nous facilite beaucoup à pouvoir gérer ce temps, à joindre ces deux bouts, du côté de la maison ainsi que de l'association. Inch'Allah, il pourrait y avoir des sœurs qui sont dans une situation aujourd'hui qui, n'est-ce pas, entre guillemets, dans la procrastination, comme Oustaz l'a soulevé. Est-ce que vous pourrez partager avec nous certaines astuces que vous utilisez particulièrement, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer tout cela? Non, pour pouvoir gérer mon temps, pour un début, je commence d'abord par lister ce que j'ai à faire
de la journée, c'est-à-dire à la veille. C'est de noter tout ce que vous avez en programme pour la journée de demain, Inch'Allah. Et là, essayez de respecter ce timing que vous avez énuméré à l'avance. Et en fin de journée, essayez d'évaluer si ce timing a été respecté, si c'est que ces moments ont été, pourquoi ça n'a pas été. Qu'est-ce qui a freiné vraiment le respect de ce timing-là? Demain, il faudrait plus que je répète. Et si c'est que cette méthode ne va pas, je me dis que nous pourrons déjà faire des petites... Mettre sur pied des astuces qui nous permettraient de nous rattraper ou bien... Ces astuces, je dirais oui, mais aussi, vu que le multimédia est déjà dehors, se procurer de son téléphone, nous avons Google Agenda. Là aussi, c'est très efficace pour... gérer ce timing-là. Donc, à chaque moment que vous avez une activité à faire, elle signale. Et là, il faudrait vraiment être déterminé pour pouvoir se lever et aller faire ce qu'on a prévu. Merci à la soeur Khadija. Imam, elle a parlé d'un élément qui vous concerne notamment, n'est-ce pas, le digital. Parce qu'aujourd'hui, on voit que quelque part, entre guillemets, ce qui nous pousserait à beaucoup plus d'oisiveté, quoique positif également, cet élément, les réseaux sociaux, n'est-ce pas, participent, n'est-ce pas, à notre patinage, je dois dire ça comme ça, patinage de vie, parce qu'on pourrait rester, n'est-ce pas, être sur Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux connus, que d'aller peut-être rechercher ce qui serait positif à nous. On va sur l'oisiveté, on se met à rire de toute la journée, et après on se lève, on voit que la nuit est déjà tombée. Alors, ce digital, quel est l'impact du digital, notamment dans la gestion du temps? Bon, alhamdoulilah, ici je pense que c'est un peu le volet, la perte du temps ou bien ce qui nous amène à perdre ou les causes qui... Bon, ces outils en réalité, on les appelle des time killers, c'est-à-dire c'est des outils, à un moment, si vous n'avez pas le contrôle de vous-même, croyez-moi, vous allez vous retrouver soit sur la plateforme Facebook ou WhatsApp, en tout cas ces affaires-là. Vous êtes en train d'aller à gauche, à droite sans savoir réellement ce que vous faites. Donc, vous êtes captivé, vous êtes attiré, vous êtes scotché à ça sans savoir réellement qu'est-ce que vous cherchez. Je vais prendre d'ailleurs un petit exemple qui est un peu psychologique. La majorité des personnes, lorsqu'ils allument l'ordinateur, qu'est-ce qu'ils font? Direct, ils viennent d'allumer l'ordinateur, ils prennent sa souris, ils cliquent et ils sont en train d'actualiser l'ordinateur. Vous voyez, c'est aussi un élément qui est là, beaucoup le font, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Ouais. Hein, c'est un peu psychologique. Alors, c'est la même chose. Vous avez tous ces bidules-là qui nous perdent le temps. Sincèrement, on se retrouve perdu dans ce monde-là. On ne sait pas. Donc, il faut être conscient. Et ici, il faut se donner un temps et dire que, bon, à partir de telle heure, si je rentre à la maison, d'abord, à partir de 20h, 19h, toutes ces affaires sont éteintes chez moi. Je reste avec ma famille. Ça peut commencer par là. Je reste avec ma famille. Et bon, vous mettez ce système à la maison, tout le monde va respecter. Moi, j'en connais beaucoup qui ont ces systèmes chez eux. À partir de telle heure, toutes ces affaires sont éteintes. Sinon, vous allez perdre votre temps. Vous allez vous retrouver en train de se faire de gauche à droite sans savoir réellement ce que vous voulez. Et subitement, quelqu'un va vous dire bonjour. Vous allez répondre bonjour. Bon. Ici, il faut vraiment beaucoup d'efforts, tellement d'efforts pour se débarrasser de ça. C'est un élément essentiel. Ça nous permet de faire des recherches, ça nous permet de savoir réellement ce qui se passe, ça nous rapproche un peu des amis éloignés, de la famille, mais la perte de temps qu'on retrouve dans ces affaires est tellement énorme. Donc, nous devons être assez forts et... Je vais prendre certaines astuces que j'ai vues dans un livre, dans la vie de nos salaf. Vous voyez, la vie de nos salaf est vraiment inspirante, leur manière de vivre. Ici, une personne qui a raté la prière de soupe. Vu qu'il a raté la prière de soupe, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il se réveille, il regarde son plus beau cheval, il prend, il donne cadeau. Donc demain, s'il rate la prière de soupe encore, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde son chameau, il donne cadeau. Alors mettez-vous un programme comme ça, si vous... Passez votre temps à naviguer de gauche à droite sans savoir réellement ce que vous voulez, sans toutefois respecter le timing que vous vous êtes donné.
Regardez un joli montre que vous avez donné à quelqu'un. Moi, je vous assure que demain, vous n'allez plus continuer dans cette voie-là. Donc demain, votre âme, votre conscience va vous dire non, arrête un peu. Ce n'est pas le timing que tu te donnais. Il est déjà là, essaie d'arrêter. Donc il faudrait être fort et chercher à respecter l'engagement qu'on s'est donné. Donc c'est un engagement. Et puis la gestion du temps, pour que cela soit efficient, il faut beaucoup de sacrifices. Ça ne vient pas comme ça d'un seul clic. Il faut beaucoup de sacrifices, il faut être conscient de ce qu'on veut réellement, qu'est-ce que nous voulons réaliser. C'est-à-dire, quel est le but que j'ai? Je me suis fixé quel but? Parce que si vous ne vous fixez pas de but, ce qui est sûr, quelle que soit la manière dont vous voulez gérer le temps, vous ne serez pas à mesure de le gérer. Il faut d'abord commencer par se fixer un but. La sœur a parlé du timing. Hein, ça, c'est un but. On s'est fixé un but. Hein, voilà ce que j'aimerais réaliser tel jour. Je suis peut-être un travailleur. J'ai telle tâche au bureau. J'aimerais réaliser ça. Je suis à mon propre compte. J'aimerais faire telle chose. Et se fixer des buts et puis avoir, n'est-ce pas, des différents outils pour le faire. Je pense que de là, au moins, on pourra ne pas tellement être scotché avec, avec ces budgets-là. Bon, personnellement, de mon côté, ce que je fais, personnellement, ça c'est une expérience propre, c'est que dès que j'arrive au bureau, la première des choses que je fais, je sais que dès 8 heures avant la prière des jours, je dois finir toutes mes tâches. Alors, l'heure de pause, j'ai une heure de pause, hein, l'heure de pause qui est après jour jusqu'à 14h30, là je peux regarder mon téléphone. Et j'attends les élèves qui viennent, j'ai donc cours jusqu'à 20h, 22h, ça dépend. Donc c'est des sacrifices et il faut vraiment être conscient de ça. Sinon vous n'y arriverez pas. Mais là il faut vraiment se faire violence et là vous êtes en train d'entrer déjà dans le pan des solutions. Nous sommes à la recherche bien sûr de ces solutions qui nous permettraient ou bien qui nous permettront de changer notre quotidien. Nous allons revenir avec vous Imam par rapport aussi aux conséquences pour que nous comprenions tous ensemble, les téléspectateurs, nous-mêmes ici sur les plateaux, sur le plateau, comprendre quels sont, n'est-ce pas, les différentes pertes que nous enregistrons en perdant, bien sûr, du temps. Nous reviendrons également après cette transition, mesdames et messieurs, pour prendre le clou de la CAMSO aujourd'hui sur ce plateau. À cet effet, nous vous proposons de suivre dans la rubrique la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui nous est proposé par le frère Bachar. Il s'agit bien sûr du premier hadith. Bismillah. وبركاته عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. D'après Omar radiallahu anha, j'ai entendu le messager de Dieu dire « L'action tient compte de l'intention. Celui donc qui émigre pour Allah et son prophète, il aura donc pour récompense ce dont il a émigré. Et celui donc qui émigre pour le bien de ce monde ou pour une femme, il va donc obtenir ce dont pourquoi il a émigré. » Nous disons Jazakallahu Khairan au frère Bacha qui nous a proposé ce premier hadith, ce hadith qui nous invite, n'est-ce pas, à redéfinir nos définitions, ou bien, au risque de me répéter, à redéfinir nos priorités pour prendre, n'est-ce pas, l'intention et le formuler sincèrement avant de mener des actions. Vous avez compris, n'est-ce pas, l'essentiel des propos dans son extrait. Nous reviendrons ici sur le plateau, bien nous revenons avec la sœur Khadija pour parler de, notamment de la direction des affaires féminines de la CAMSO qui organise cette année la troisième édition, n'est-ce pas, de la journée culturelle de l'étudiante musulmane. Il s'agit bien sûr d'un événement qui aura lieu le dimanche 14 mars 2021. Je commence à perdre mon latin parce qu'il faudrait que je lui passe la parole. Alors, la sœur Khadija, déjà il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce que la DAF de la CAMSO.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naam, la direction des affaires féminines en abrégé DAF est une direction parmi tant d'autres à la CAMSO. Cette direction a été créée non seulement pour réduire le taux de mixité, mais aussi pour permettre aux sœurs de se valoriser, de s'exprimer et de se démarquer et de démarquer leur savoir-faire. Alors, par rapport à cette direction, il y a cet événement que vous organisez, ça fait 3 ans aujourd'hui, on appelle la journée culturelle de l'étudiante musulmane. Parlez-nous un peu de cette journée-là qui s'annonce très fortement ici à Douala. Naam, parlons de la journée culturelle de l'étudiante musulmane. Cette journée a été émise par une sœur dont le nom est Sadia Babalim, qu'Allah lui récompense pour cette idée. Après avoir passé plusieurs années en tant que membre du côté de la branche Ngaoundéré, une fois les études du translate de ce côté, émet cette idée à la branche Douala. Alhamdulillah, le bureau a accepté et la première édition fut une réussite. Et nous sommes à notre 3e édition, Inch'Allah. Car la journée culturelle de l'étudiante musulmane est cette journée très importante pour la CAMSO en général. Elle permet aux sœurs de se valoriser, de s'ouvrir au monde et de montrer leur savoir-faire. Et notamment cette année, vous avez tout changé, il faut le dire comme ça. La thématique déjà, c'est management de projet axé sur l'auto-emploi. Une étudiante, un savoir-faire. Pourquoi ce choix notamment de cette thématique aujourd'hui? Naam, parler de l'auto-entrepreneuriat est très crucial de nos jours, vu l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. La CAMSO Centre, c'est travaux pour cette journée sur l'auto-entrepreneuriat. Le défi qu'il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, tout un chacun de trouver sa position. En fait, vu ses membres diplômés, elle se propose de mobiliser l'agence féminine. Vu le taux de scolarisation dans les études supérieures qui progresse au fur et à mesure chaque année, la CAMSO se devait en fait de fixer comme thème de cette année le management des projets axés sur l'auto-emploi, 2 points, une étudiante, un savoir-faire, dans le but d'allouer un complément professionnel efficace aux ressources académiques préalablement acquises par ces jeunes étudiantes et permettre ainsi aux chômeurs et aux étudiantes de développer en soi-même, de développer un développement personnel qui à coup sûr facilitera le développement du Cameroun, Inch'Allah. Inch'Allah, et essayez un peu de nous énumérer qu'est-ce qui est prévu pour cette journée pour que les téléspectatrices et téléspectateurs qui sont là, qui ne sont pas peut-être informés, puissent se rendre et participer également à cet événement. Naam. Cette journée est vraiment surchargée cette année, comme vous l'avez dit, car cette année, c'est l'auto-entrepreneuriat. Et pour ce faire, nous avons comme ordre du jour le management des projets, les ateliers pratiques, et nous vous rassurons aussi que ces thématiques retenues seront présentées par des techniciens sur le terrain, les académiciens invités ainsi que les experts en matière, Inch'Allah. Par la suite, nous avons des poèmes, des sketchs, les matchs des incollables et nous vous rassurons que à la sortie de cette journée, vous en serez très bénéfique, Inch'Allah. Inch'Allah, un programme alléchant. Il faut rappeler que cela aura lieu, n'est-ce pas, à l'ESSEC, au campus 1 de l'université de Douala, bien sûr, dimanche à partir de 9h. Alors, quel est l'élément supplémentaire qu'il faudrait ajouter ici? Naam, cette année, le slogan de notre journée porte sur un étudiant, un savoir-faire. L'importance d'y participer est vraiment cruciale, car vous ne ressortirez pas vain,
mais avec des exemples, des projets sur lesquels vous pouvez y implémenter vos savoir-faire, la bonne, vous participerez à l'atelier, un atelier pratique sur un montage de projet, sur la maîtrise des astuces devant faciliter la bonne gestion pour votre projet. Et aussi les idées en rapport avec le développement personnel et pour finir, la connaissance sur les activités que mène la CAMSO. Machallah, nous vous remercions la sœur Khadija. Il faut rappeler ici que vous êtes la vice-présidente chargée des affaires féminines de la Cameroon Muslim Student Union pour la branche de Douala. Oustas, nous avons entendu, n'est-ce pas, ces différentes articulations qui sont prévues pour cette journée. Des articulations qui nous poussent, n'est-ce pas, à y aller pour ne pas perdre notre temps. Et pendant qu'on parle de la gestion du temps, puisque c'est notre thématique par ailleurs, nous voudrions revenir ici pour, n'est-ce pas, soulever deux aspects notamment. Quels sont les signes qui démontrent à quelqu'un qu'il perd le temps et quelles sont également les conséquences? On voit quelque part les retards et tout ça. Donc, quelles sont les manifestations de perte de temps et quelles en sont les conséquences? Bismillah. Je vais d'abord commencer par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal-faragh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il existe deux bienfaits dont beaucoup de personnes n'en profitent pas. Et ces deux bienfaits sont la bonne santé et le temps que nous avons. Alors, ce qui nous concerne plus, c'est le temps. Nous allons donc parler du temps. Lorsque le temps, vous avez parlé des conséquences. Les manifestations des pertes de temps. Ce qui est d'abord important à relever ici, c'est que si vous remarquez une personne qui passe son temps à chauffer le banc dans des bavardages inutiles, ça c'est une manifestation qu'il perd son temps. N'allez pas chercher loin. Ou bien lorsqu'on est avec des amis qui ne nous aident pas à grandir, des personnes qui ne nous poussent pas à devenir des personnes meilleures. Prenons l'exemple des études, des étudiants, des élèves. Des élèves au lycée organisent toujours des groupes d'études. C'est une manière de s'auto-développer et de savoir que, bon, voilà, on peut être un groupe et devenir meilleur ensemble. Alors, si nous laissons ces bonnes habitudes et que nous préférons rester avec des personnes qui ne vont pas nous amener un plus, là, nous sommes en train de perdre notre temps. Si nous ne prions pas notre prière, nous devons parler de l'adoration. Si nous ne prions pas à l'heure, au moment où le muezzin nous appelle, nous demande de venir à la prière, nous ne le faisons pas. Sachons que là, nous sommes en train de perdre notre temps. Si le temps que nous avons, ce n'est pas pour aller à la quête de la connaissance, ça peut être à l'école, ça peut être à la fac, ça peut être chez un précepte, un oustaz. Si ces temps-là, ce n'est pas pour aller apprendre notre religion, ce n'est pas pour nous développer, pour avoir, c'est-à-dire une capacité quelconque que je n'ai pas, quelque chose, j'aimerais apprendre quelque chose de nouveau pour me développer, nous ne l'utilisons pas correctement, alors sachons que nous sommes en train de perdre notre temps. Et ce qui est curieux dans tout ça, c'est que ceux-là qui perdent le temps, quelque part, ils sont conscients qu'ils sont en train de le perdre. Souvent, ils vont vous dire que sincèrement, je suis en train de perdre mon temps. Pourtant, tel oustaz à la mosquée, à partir de telle heure à telle heure, il donne cours. Je pouvais aller profiter. Et ce développement-là, cette capacité qu'on voudrait acquérir, ce n'est pas toute une journée. Souvent, c'est 40 minutes, 45 minutes, 30 minutes. Alors, si ces 30 minutes, vous les prenez deux fois par semaine, une fois par semaine, vous les accumulez. En un mois, vous aurez combien? En une année, vous aurez combien? Donc, imaginez un peu, c'est-à-dire, toutes ces informations que vous pouvez emmagasiner, mais graduellement. Alors, nous avons autant de signes qui sont là, qui prouvent que cette personne est en train de perdre son temps. Marcher avec des personnes qui ne nous donnent pas un plus dans notre vie. La négligence de la prière. Ne pas être dans des assises de sciences ou bien dans une assemblée d'étudiants.
Là, sincèrement, nous sommes en train de perdre le temps. Et un aspect, un dernier aspect tellement important, le fait de passer son temps à tellement bavarder, jacasser entre soi, dire qu'on est en train de faire des blagues, ça c'est une perte de temps inestimable. Et l'islam ne veut pas de ça. L'islam ne veut pas de ça. L'islam voudrait des personnes sérieuses, des personnes qui sachent où ils vont au moins. L'islam ne voudrait pas que toi, musulman, tu passes ton temps à bavarder toute la journée. L'islam voudrait que tu sois sérieux quelque part, que tu ne passes pas ton temps à rire, comme cela se dit dans certaines séries, à rire bêtement. Vous voyez, que tu ne passes pas ton temps à rire comme ça, sans raison valable, non. L'islam voudrait que tu sois une personne sérieuse. Et l'islam a mis donc une limite à ce type de blagues. La limite, dans ces blagues, il y a des choses qui se disent. Il y a des choses qui vexent. Hein? Il y a il y a des choses qui touchent à l'honneur de la personne dans des blagues. Donc l'islam ne voudrait pas de ça. Et vous allez remarquer que dans une blague, tout ce qui s'est passé, quoi, c'est une perte de temps. Alors il y a autant de signes, il y a autant de choses qui prouvent que la personne est en train de perdre son temps. Si vous remarquez cela, sachez que là, vous devez au moins faire une introspection de vous-même et dire que non, voilà, j'arrête. Cherchez les bonnes méthodes pour évoluer et pour avancer. Inch'Allah, Imam, on va revenir peut-être vers vous pour avoir des différentes stratégies à côté de celles que vous avez déjà proposées en amont pour, n'est-ce pas, pouvoir bien gérer notre temps. Mais nous venons à vous, la sœur Khadija, que représente particulièrement le temps pour vous? Et également, comment est-ce que vous faites pour, n'est-ce pas, l'exploiter d'une bonne manière? Alhamdulillah, le temps, c'est quelque chose d'important. Vu la nombreuxité qui a été suscitée dans le Coran. Ta question, c'était quoi? Oui, que représente particulièrement le temps pour vous? Est-ce que vous faites vraiment violence pour, n'est-ce pas, ne pas tomber dans l'oisiveté? Non, alhamdulillah, je dirais un peu oui, un peu non. Car c'est pas facile avec de nos jours, avec nos téléphones, nos petits commérages que nous avons entre filles. Mais je dirais que je parviens quand même à gérer cela à travers cet outil qui me rappelle de temps à autre ce que j'ai à faire. Et je m'efforce à respecter cela. Me mettre souvent des petites punitions pour ne pas avoir respecté ce programme-là. Oustaz, elle revient peut-être à ce que vous avez dit, se faire violence, se donner des punitions, mais de la manière que nous chérissons aujourd'hui nos objets, comment est-ce qu'une personne pourrait procéder, n'est-ce pas, pour efficacement gérer son temps? Nous allons sortir peut-être par cette proposition de solution pour que le téléspectateur et la téléspectatrice aujourd'hui puissent relever ces différents points-là pour qu'aujourd'hui ou bien à partir d'aujourd'hui, la gestion du temps soit capitale. Quelles sont les différentes stratégies qu'on pourrait soulever? Bon, vous savez, pour s'auto-développer, il faut au moins investir sur soi. Je me rappelle qu'en 2007, j'avais acheté une formation, je ne fais pas la publicité, hein, sur linda.com. Bon, c'est pas une publicité. Et cette formation m'a tellement aidé. En 2007, excusez-moi. Alors, parmi dans les différentes stratégies que j'ai d'ailleurs utilisées, c'est de voir, de pouvoir déterminer dans mon quotidien quels sont les éléments qui me perdent le temps. Nous devons d'abord les énumérer. J'ai le téléphone, j'ai la télévision. Qu'est-ce que j'ai encore? La causerie inutile avec des personnes. Alors, la causerie inutile me prend combien de temps? Une heure de temps, deux heures, il est bien vrai que ça part vite. Ouais. Trois heures de temps, je dois déterminer ça. Et toujours parlant de moi, j'étais un gamer, sincèrement. Donc imaginez, qu'Allah nous pardonne, je pouvais, après la prière d'Isha, jouer aux jeux vidéo jusqu'à la prière de soupe. Oh. Ça, c'est la nuit. D'imaginer un jeûner. Bon, tous ces éléments ont été éliminés aujourd'hui.
Alors, déterminer tous ces éléments, commencer graduellement, petit à petit. Si je passe 3 heures de temps avec des gens à papoter, je peux prendre 1h30. J'enlève 1h30. Je vais m'asseoir avec eux. Nous allons causer comme d'habitude. Mais le temps que j'ai avec eux, c'est 1h30. Vous avez gagné 1h30. Avec mon téléphone à la maison, je passe peut-être 2 heures de temps sur Facebook. 2 heures de temps. Il sait que les gens passent plus de 2 heures de temps sur Facebook. Ouais. Je vais enlever encore une moitié. Là, je vais passer 1 heure de temps sur Facebook. Et de l'autre côté, j'aurai combien? J'aurai gagné 2h30. N'est-ce pas? Ouais. Alors, je vais donc revenir devant à la télé. Quand je m'assois devant la télé, quelle émission est-ce que je regarde? Il y a une émission là, les émissions de séries de brésiliennes. Vous savez, ça prend assez de temps, les femmes aiment ça. Novelas. Voilà. Alors, est-ce que je passe toute la journée dessus? Je dois être sincère. Je prends un temps, je rajoute de l'autre côté. Si vous respectez ce programme, vous allez trouver que en une journée, vous avez gagné assez de temps. Et ce temps que vous avez gagné, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Vous pouvez faire le meilleur des écrits, qui a été d'ailleurs suggéré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la lecture du Coran. Et si vous avez gagné 3 heures de temps et demi, vous pouvez, dans ces 3 heures de temps que vous avez gagné, utiliser 1 heure de temps pour la lecture du Coran. Hein? Vous avez 2 heures de temps qui vous reste. Utilisez même 1 heure de temps pour la lecture d'un livre qui va vous développer. Apprenez quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous savez, j'aime revenir sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où quelqu'un est venu le voir en demandant à Ousini, donne-moi des conseils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tarda, ne te fâche pas. Ça ne le s'en prenait pas trop dans sa tête. Il a encore reposé la question, mais conseillez-moi, messager de Dieu. Et là, le prophète lui dit, ne te fâche pas. Bon, ici, ce que nous comprenons dans cet hadith, ce que l'homme peut changer. Quelle que soit notre nature, nous pouvons changer. Nous pouvons devenir meilleurs. Si nous sommes sincères et conscients, il doit y avoir de la sincérité et la volonté de changer. Alors, si vous avez cette volonté, ce qui est sur les différents sacrifices, vous allez les respecter. Mais si vous n'êtes pas sincère, parce que la sincérité commence par soi, là, quand vous allez vous retrouver seul, vous allez dire, donc, tout ce que j'ai dit là, c'était juste pour faire plaisir aux autres. Ouais. Donc, je pense que toutes les séances du coaching du monde ne vont pas vous servir. Soyez sincère envers vous-même. Écrivez ça quelque part. Essayez de déterminer quels sont vos défauts. Qu'est-ce qui prend plus votre temps. Et dans ce temps-là, si c'est 2 heures de temps, 3 heures, 4 heures de temps, essayez de raccourcir certains. Et vous allez trouver comment vous allez gagner plus, comment vous allez changer, comment vous deviendrez meilleur et comment les choses iront de mieux en mieux pour vous. Inch'Allah, Imam, nous vous remercions et nous remercions également la sœur Khadija. Nous prenons rendez-vous pour dimanche 14 mars, Inch'Allah, au campus 1 de l'ESSEC, bien sûr, pour la journée culturelle de l'étudiante musulmane. Mesdames et messieurs, c'était ici la gestion du temps dont on vous a présenté non seulement les causes, nous avons également présenté les manifestations sans oublier les conséquences. Parce qu'on ne va pas quitter comme ça, nous avons proposé des solutions qui nous permettraient aujourd'hui de mettre sur pied des actions, des activités qui nous amèneraient à être des meilleures personnes dans la gestion de ce timing-là. Nous n'allons pas oublier de saluer la sœur Oumou Salama et le frère Bankole Abdel Wakil qui se sont dit oui religieusement aujourd'hui. Nous souhaitons que Allah mette la paix et le bonheur dans leur foyer et qu'il facilite le mariage aux célibataires, bien sûr. Ceux qui nous regardent se reconnaissent. Mesdames et messieurs, à rendez-vous à vendredi prochain, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.